Au total, ce sont 47 communes qui avaient déposé une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, 17 en Corse du Sud et 30 en Haute-Corse. La totalité des dossiers de submersion marine ont reçu un avis favorable et 6 avis positifs ont également été rendus pour des dossiers d'inondation et de coulée de boue. Le 29 octobre dernier, la tempête Adrian a touché l'île. Des vents à plus de 200 km/h, des bateaux brisés, des restaurants et des habitations dévastées, les dégâts sont colossaux sur la côte. Cette inscription est une première étape dans le dédommagement. Il faudra attendre un arrêté interministériel et sa publication au journal officiel pour que les sinistrés puissent obtenir des indemnisations de la part des compagnies d'assurance.